pas faire mon ça c'est un. Deuxièmement, moi sur Facebook m'écrire, je vais faire mon réponse. Dame Marie les Marie Denise Solage, monsieur Marie les Wifi Solage, moi je vais te adopter monsieur Marie Christine Solage. Si mon Canada a regardé mon Montréal, mon frère adoptif qui est Carl Henry, il était adopté sous nom Christopher Solage, il est Carl Henry pour ce moment-là. S'il a peur de moi, s'il fait une nouvelle, parce que je m'en connais, il est seul qui a pris des boules. Parce que il fait me connaître, il est dans l'ambassade, il fait me connaître, il fait me chercher, il est dans mes jeunes vies pour moi. Pour ça le café moi. Parce que c'est lui-même qui a fait un barrage pour moi. Mais c'est à quel âge vous êtes Canada? Nous sommes au Canada depuis à 10 ans. Vous à quel âge vous êtes? Je suis 34 ans. Je dis à comment bien est pour vous par rapport avec l'âge que vous avez quitté Canada et avec ça que vous avez fait en Haïti. Ce n'est pas facile même. Je ne sais pas, ce n'est pas facile même. Pour le monde, il faut coucher ensemble avec elle. Donc, il n'y a pas de tout. Ou qu'on a l'un côté, mon aurait le chien qu'on aurait là. Je t'avoue, mon cache-bas, ou faut mon nom exactement. Même ma femme a un visa. La femme a un visa. Je suis là, ou tu que ou bien un petit monde qui a 17 ans. Et oui. Parlez-nous un peu de petit monde, comment lié. Petit monde, depuis à l'âge de 4 ans, il est handicapé. Je te demande pour me faire un scanner pour lui, il était interne à l'hôpital général. Je te demande pour me faire un scanner pour lui, moi, pas de capable. Parce que je ne suis pas capable parce que c'est scanner à t'avoir qui t'avoir ce qui type de cousin, je ne suis pas capable. Jusqu'à présent, je ne suis pas capable. Après ça, je te propose qu'il me fasse un tour de sirop. Il a commencé à bailler, il a commencé à faire effet sur lui, que ça ne va pas comprendre qu'on a crise à prendre pire. Pour dans le moment là, on a des crises là. Je ne vais pas parler de ça avant ça, ensemble avant la crise. Okay. Le gars a pas de comme ça, depuis que je suis venu dans la salle, je ne pas de scanner ça pour des pour je ne sais pas si je suis venu je si je me fais dans le passé, je m'en excuse tout parce que monsieur a son journaliste, dame, son infirmière, il m'a mis un paquet de travail sur moi parce qu'il est à l'ambassade là. Je vais avoir l'ambassade là, non, c'est un monde qui mène, son ex qui mène l'ambassade. Il a cliqué, il a un nom, il a ma question, il a parlé de ceci là, il a parlé de ça, madame. Il a un nom, il a mis un peu plus sur moi, il a mis un peu de pitié. Qui change de dossier? Principal problème pour lui. Si je ne résous le problème, je me dis merci. Si je ne retourne au Canada, je me dis merci. Est-ce que vous avez pièces et passeport? Je fais au financement avec moi. Je ne vais pas manger même. Mais les gens qui sont ambassadeurs au Canada, ils sont sous nos mains, ils sont toujours les mains, ils sont sous nos mains, ils ne sont pas en contact. Pas besoin de monter. Sylvain Angel. Sylvain Angel, à quoi sont les mêmes? Oui, moi, les Sylvain Angel. Ça, c'est bon parent qui est bon dans ça. Oui. On y a parent adoptif qui est au Canada, c'est ma voix, il y a Marie-Christine. Marie-Christine Solage. Ok. Mais ok, pour qui ça, vous rentrez à Haïti ensemble avant? C'est pas vous rentrez à Haïti, c'est homme qui t'a rentré. Je dis que vous pouvez passer vacances dans le pays, moi, vous êtes vraiment content. Les rivés en Haïti, même les gens qui font venir ensemble avec les gens, ils ont dit que les gens ne sont pas ça. Depuis que vous êtes dans le port là, qui êtes dans le port là, c'est les gens qui ont expliqué, ma petite ça, vous avez dit. Il va dire que vous êtes dans le port là, ils mettent mes parents. Vraiment, je vais commencer à grandir ça. Même les gens qui sont au Canada, qui vont venir chercher 5e avenue.
Oui, ça m'a dit ma 10h23. On a vraiment retourné, moi, pas bien vivre, je suis retourné à Capoupé en côté monde qui était vraiment, qui était fini. Après 12 janvier, je suis venu mourir, je suis allé dans la rue. Pourquoi tu vas battre ce monde-là? Parce que je n'ai jamais occupé ce monde. Alors, depuis que j'ai été handicapé, je vais occuper ce monde. Paradoxe, qui l'a joué? Jeune ou bien âgé? Je commence à agir. Depuis que je suis sur Facebook, je vais cliquer sur Wilfried, sur l'âge, je vais appuyer. Je vais m'écrire, je vais faire une réponse. Tu vas gagner une famille Haïti? Ça, je ne vais pas jouer. Je vais pas toucher, je vais gagner une famille Haïti. C'est l'après 12 janvier, je vais voir un monde bon 100 dollars américains. Depuis là, ça, même les gens qui nous ont ensemble avec eux. Je vois le bon 100 dollars américains, je dis pour le bon numéro de mon monsieur à Diplo, je me dis qu'il y a un bon numéro de téléphone. Par qui moi, vous avez rencontré avec mon ça? Mon qui était à l'autre mieux. C'est mon Félina, mon la femme de midi, je vous dis ça. Il est en Félina, ça y est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a souvent un message, je suis avec une petite sous l'agent, qu'est-ce qui message est appuyé? Bon. Qui met ça me d'avouer, me dit Wilfried Solage qui c'est maman, Wilfried Solage qui c'est papa, Marie-Denise Solage qui c'est maman, et me toujours connais nous c'est maman. Si me fait nous non bail dans le passé, m'a demandé non puis l'excuse parce que nous connais qui j'ai Haïti, mon a mouri, mon a prend balle, mon a pas humiliation. Si me t'a faire me retourner Canada, on t'a dit non merci. Je dis en pensé retourner Canada facile parce que ou pas gagne passeport ou pas gagne pièce pour retourner Canada. Oh. Depuis que je suis comme. Pas tout bas là, c'est comme. Parce que l'homme d'arrivée à l'ambassade Canada, je demande pour me faire un passeport. Ça, c'est un. Après ça, je dis si je suis bon au Canada, pour me référer au numéro, je vais tout le monde. Est-ce que vous avez un numéro de contact si toutefois le monde a voulu aider ensemble avec Petit Tourin et puis aider rencontrer ensemble avec l'ancien femme de Petit Tourin? Oui, le numéro de téléphone c'est 37 45 32 21. Le numéro de téléphone moi c'est 37 45 32 21. Merci. Je suis là, moi j'ai un cousin madame. Les enfants Élysée. Qui a un problème avec un ancien commissaire gouvernement. Monsieur Vini, il est dormi la caille, il mourit pendant le mourit. Et par an, le cadavre a remis la mort. Mais il est allé pour parler avec le commissaire, un ancien commissaire, il est Saint-Voyel pour 10 jours, qui était commissaire quoi découvrir. Tout le monde connaît, il y a fait des nouvelles, son nouvelle qui gagne. Des commissaires pour un jour. Qui ça vient passer? En 2017, M. Sebolet était qu'on fait. Il a un petit caille de l'ici, il a acheté pour 12 000 dollars américains. L'Elvin a un problème. Il y a des gens qui étaient dans Bolet là, qui sont allés à comme Bolet là, il n'y a pas qu'à payer. Bolet qui a été gentil de qu'on baille. Qui ça, M. fait? Il y a un frère qui est avec ses commissaires. Il a parlé ça avec lui, il a allé vraiment. Il dit le besoin comme. Et bien, le commissaire a allé au Bali 60 000 gouttes sous Kaila. 60 000 gouttes Kaila coûte 60 000 dollars américains. Pour y a ça qui vient passer. C'était 2017. Quoi, c'était octobre 2017. Oui, mars 2019, les a venu rentrer en possession. C'est que le débat le Kaila pour la fermer, pour le tirer comme là. Les a venu pour le Kaila, pourquoi la fermer? Le locataire était là dans le météo de yon. Pour la fermer, le locataire parle toujours. Je dis à plus gros problème nous gagnons. Nous connaissons M. Puissant. Après bon Dieu dans le ciel là, M. Puissant. Qui ça nous-mêmes nous m'a dit? Nous m'a dit commissaire pour négocier avec famille. Hein? Sous Kaila, première bagaille. S'il remet Kaila, il veut acheter pour lui négocier avec nous pour vendre Kaila. Ou bien nous-mêmes, qui ça veut coopérer avec nous pour le coopérer parce que entièrement Messie a fort qu'il fait. Nous parlons ça avec bon frère. Lui. Bon frère a dit pas rentrer dans le dossier ça parce que le dossier ça trop. Les amis, société. Il y a un peu de monde qui confond justice avec l'injustice. Il y a une lettre en plus.
l'injustice, bon lettre en plus, justice. Même l'autre est puissant, mais on pas au-dessus de la loi. Nous-mêmes, nous venons là. Comme pas un monde qui a pris un contact avec le téléphone, tout le monde pèle. Même dit, la justice, c'est libérer la tête en nation. Nous demandons au commissaire pour le ressaisir. Est-ce que c'est la justice nous devons aller avec le commissaire? Ce n'est pas famille, non, mais c'est famille, madame, moi, c'est cousin, madame. Mes frères, mes petites filles, mes madame, nous-mêmes comme journalistes pour nous, ouais, mes amis. Mes frères, mes ouais, un, deux, trois frères. Mes madame, mes petites filles, si monsieur a mouru, pas vrai? Mais bien revient à petite filles avec madame, même si la mort nous pas qu'à faire enterrement. Mes petites filles sont tombées, pieds là, ils ont un arthrite sceptique dans les genoux. Ils ont ponctionné, ils ont râlé, ils ont replein. Ils ont refait là encore. C'est incision qu'ils ont fait pour lui. Bon, messieurs, mourir. Pas de rien, ils ont fait. Les amis nous disent, hélas, avec les nègres là, sans de justice liée, ils ont fait l'injustice. Fuck, bagaille, ils ont changé. C'est ça qui fait le pays à l'état ça. Moi, bien expliqué, non? C'est voyelle pour un 10 jours. L'ex-commissaire du gouvernement, pas de bouquet. Nous, si nous faisons nouvelle, nous attendons. Nous avons souhaité commissaire pour le tendre. Parce que pour le réfléchir, pour le connaître, les gens petits, les gens madame. D'ailleurs, si bon frère, avec ses frères, le manque mourir à paix, je n'ai pas besoin de dire qui est-ce qui vous paie. Tellement commissaire puissant. Nous-mêmes nous disons, nous avons fait tout ça, nous capables pour madame, nan, petite, la famille, en une justice, parce que fuck, messieurs a enterré, et messieurs a pas qu'à prendre 12 000 dollars américains pour 60 000. Même là, elle a 10 ans, 15 ans, il faut qu'on ait pas qu'à prendre. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il est là pour appliquer la loi, il n'est pas là pour faire la loi. C'est ça que nous devons dire. Alors, autrement dit, pour qu'on y a un citoyen, l'Ina Mog, nous pouvons avoir des moyens pour nous faire un peu mal. Alors ce que il y a bien qui est capable de contribuer dans le thème, c'est ça? Oui, c'est ça nous voulons dire. D'ailleurs, nous avons gagné un frère qui est relé. L'autre frère, nous avons 6500 dollars. Alors, l'homme de 6500 dollars ici, nous avons un autre frère qui est bon frère. C'est ça. Alors, nous avons un bon frère a dit, nous trouvons que c'est un hein, c'est bon chien mouri. Vous comprenez? Et je ne sais pas respecter les gens. Je ne sais pas respecter les gens. Parce qu'il pensait, c'est lui qui a fait la loi, même il a fait la loi, il était qu'on fait la loi, quoi des bouquets. Mais ça va pas être comme ça. Et nous n'avons pas besoin pour nous dire pour nous venir dans le cabinet. C'est le cas où nous commissaire gouvernement. Il y a un doyen tribunal civil. Nous avons un administrateur par la justice. Si. Monsieur puissant pour nous aussi. Si le tout puissant pour nous demander bon Dieu, côté je veux puissant ça, si c'est bon Dieu qui bat. Même si ce n'est pas qu'à tout puissant. Il y a puissant, oui, pour faire abus d'autorité. Et je connais le point, il y a derrière. Mais derrière, il faut réfléchir à la société. Alors, pour que nous adressions avec l'autorité judiciaire, le premier bagage, je vais le faire. Je vais comparer mon nom. Pour le paquet pour nous faire un mandat, mais nous n'avons pas de référence, adresse, côté pour nous joindre. Notre bon frère n'a pas voulu le numéro de téléphone. Pour nous faire le loi, si nous avons des choses, nous avons entendu. Vous ne voulez pas faire, monsieur, pas qu'à prendre le cas. Monsieur, pas qu'à prendre le cas. Nous n'avons pas de côté pour nous faire un mandat, si nous avons invité le devant commissaire gouvernement pour le venir, nous n'avons pas de côté pour nous faire un mandat. Peut-être, mandat, il n'a pas de sa valeur. Parce que monsieur puissant, c'est le commissaire gouvernement. Li. Est-ce que c'est l'en bas pour nous aller pour nous côté bâtonnier pour nous porter plainte pour avocat et l'en bas quoi des bouquets liés quoi des bouquets tout le monde ouais c'est que distance côté lié monde pas capable vous comprenez et lui même pas contre côté pour joindre ni yo dit il était resté sur route et sous piste bon ou pas connait adresse côté pour joindre pour un mandat invitation bali comme lui gagne numéro famille yo lui gagne numéro bon frère qui ensemble avec celle qui peut, mais dit ou li peut, parce qu'il connaît puissance commissaire. S'il veut négocier avec famille, la cherche un côté, la cherche. Comme un avocat, nous mettons sous dossier pour faire suivre. Mais deux personnes
te ka entendre nous pas besoin c'est avocat moi haïtien qui contre libre rien contre amour libre devant juge cependant on ka juger tort et raison nous entendre nous rejoignons on entend et puis toute bagarre était finie mais Kaila pas besoin compter sur Kaila pour connaître Kaila c'est ça nous dit comment mettre Kaila télé Fanfan Élysée c'est petit frère ici. Est-ce que et comme ça ancien commissaire t'a voyé est-ce que nous te recevons non mais frère là répond nous t'es prêt comme là monsieur pas comme là niveau 6500 dollars haïtien nous pas recevoir 6500 dollars haïtien pour faire pour enterrement possiblement sur Kaila tout oui sur Kaila alors ça nous t'a remis famille nous t'a remis pour John Cole Bovan et tendez nous dans dossier matériel télis pour t'aider dans dossier pour ta dans des moulins Caraïbes là les pour t'attendre et citoyen de manière générale et nous remercier chaque journaliste qui t'a fait déplacement pour venir couvrir conférence de presse là nous invitons nous ici la journée aujourd'hui c'est pour nous capables annoncer une nouvelle spéciale qui portait à la fois un peu de contentement, mais surtout une grande tristesse. Il y a une commission tout neuf qui fait installer l'entête école professionnelle JB Damier, octobre 2003, ça, qui gagnait l'entête. Moi-même, Jean-Marie Léveillé, comme coordonnateur, accompagné de deux membres, Maître Fritz Bien-Aimé, coordonnateur des études, et Maître Josué Gédéus, professeur de carrière. Nouvelle ça, en effet, portait un peu de contentement. L'enquête en pile monde qui nostalgique de l'époque, les JB Damier t'a fonctionné à plein rendement. Les gagnent une ambiance dynamique dans le système formation professionnelle. Là. Et les étudiants JB Damier t'a fait concours avec l'autre étudiant en Amérique là. Aussi que d'autres pays comme les États-Unis, Italie. En gros, les pays a te gagné yon anti crasse escamp la figuille toujours. Et puis la formation professionnelle te yon secteur qui compétitif. À l'époque, moi j'étais étudiant puis professeur, moi te baye environ 25 promotions et moi te vin directeur sans ça tout. Nous capable dit JB Damier te à l'époque te un lieu de référence. JB Damier fondé en 1926 qui portait nom Jean-Baptiste Damier. Nous tendez JB Damier. C'est non un ministre. À l'époque, c'était ministre de l'instruction publique. JB Damier est considéré comme la mère de tous les centres techniques et professionnels du pays. Comme Haïti est considéré comme la mère de la liberté des Noirs, comme le paradis de tous les nègres dans le monde, l'école JB Damier lui-même licencié bail plus de 70 promotions. Tout technicien ancien dans le pays d'Haïti qui a une dette envers JB Damier. Parce que l'école professionnelle JB Damier, c'est le berceau de tous les techniciens du pays. Nous dit clairement,
Jibé Damien, c'est la première institution qui était fondée spécialement pour former des professionnels. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que nous capables de dire que tout centre qui vient après eux, naissance qui prend naissance à compétence qui sortit dans l'école Jibé Damien. Ainsi, Jibé Damien est la plus grande école. Et nous capables de dire que ce n'est pas une école, son patrimoine. En tant que tel, nous devons gérer en conséquence. Mes amis, moi t'aimer tout le monde dans le pays d'Haïti, que dirigeant l'État, spécialement ministre de l'Éducation nationale, là, t'as fourni j'ai regardé l'état l'école Jibé Damien hier journée jodi a. Son situation, c'est pas une situation qui l'a jodi a. Son situation qui l'a depuis quelques années. 12 janvier 2010, on t'es effondré. Yo t'es construit des hangars qui t'es doué une structure temporaire. Mais dans le moment où on a parlé là, c'est toujours même bagaille qui l'a. Jibé Damien est tombé dans un niveau qui rend ni est pratiquement dysfonctionnel. Qui donc, c'est avec un pile tristesse, n'a constaté après directeur l'éveillé Jean-Marie, après 16 ans depuis qu'il quittait Jibé Damien, l'école là non seulement perdu essence li ak fierté li, et physiquement et structurellement li méconnaissable. C'est pour raison ça mes compatriotes et moi, nous avons accepté la commission de reconstruire et restructurer l'école professionnelle Jibé Damien pour nous faire un centre de référence à laquelle elle est destinée pour nous rebâtir l'image li. Patrimoine ça qu'elle est censée être. Nous sommes capables de dire sincèrement, l'État déjà débloqué une somme pour nous capables de commencer le processus de reconstruction Jibé Damien. Mais nous capables de dire sincèrement, travail ça, nous-mêmes, la commission, nous pas capables de faire pour contre nous. C'est dans ce sens ça, nous demander collaboration et support tout secteur vivre dans le pays d'Haïti, spécialement techniciens haïtiens, comme ça dit, qui ont dette envers Jibé Damien, parce que Jibé Damien, c'est un patrimoine dans 3 ans qui pral gagner un siècle. Qui baille 70 promotions, comme ça dit déjà. La mère de tous les centres du pays. L'innécessaire, journée aujourd'hui, que pour nous, que pour tout petit pays, pour nous, ouais, que pour nous dire situation actuelle, pays, l'interpeller nous toutes à faire un dépassement de soi, pour nous mettre de côté nos querelles intestines, nos conflits infratricides, nos intérêts personnels, pour nous capables de sauver pays à la jeunesse là. En commençant par centre technique formation professionnelle, en commençant par l'enseignement technique spécialement. Journée jodi a, nous t'a souhaité que nous toutes journalistes qui avec nous là, pour nous t'a capable aider Jibé Damien reconstruit. Parce que là nous dit Jibé Damien, que moi sodine déjà la mère de tous les centres du pays, toute compétence qui technique qui censé que en dans pays là, c'est petit Jibé Damien. L'ensemble ça,
Si Jibé Damien est étal, il est là, je dis, à un état moribond, à un état lamentable. Ce n'est pas côté que normal. Quel que soit ancien petit Jibé Damien qui entre là-dedans, c'est bagay qui pour faire le vomi, c'est bagay qui pour faire le cracher. Fatra, sans matériel, sans matière d'œuvre, sans outillage, son bagay extraordinaire. Là où est un patrimoine comme ça, c'est que bon bagay qui passe ça. Ma profite, voyez message ça. Et m'ta souhaité que li a loin. Nous avons longtemps que nous avons parlé, mais nous pas joué de monde qui pour tende nous. La formation professionnelle, si nous avons fait une historicité rapidement, créé en 1927, inauguré en 1926, cap fonctionné. En 1973, l'État créé deux gros institutions dans le pays qui pouvaient renforcer la formation professionnelle. C'était INFP, Institut National de Formation Professionnelle, et Centre Pilote de Formation Professionnelle. INFP était créé pour préparer des programmes. Et sans pilote lui-même pour te faire appliquer programme. Institution ça a fonctionné à plein rendement. À l'époque, tu as 9 centres qui ont fonctionné à plein rendement dans mi-temps Port-au-Prince. Parmi lesquels, Jibé Damien, tes premiers centres comme moi, je dis. Nous sommes capables de dire sincèrement, il faut que nous parlions clairement comment le système nous fait détruire jour et jour. Comment étudiant Jibé Damien te fait en compétition avec Italie, avec les États-Unis, qui était normalement que, et avec le tout Caraïbe là, Jodia, pour Jibé Damien tomber à nu, sous qu'on sait leur entrée, quoi, beau sale, les gens la pu à tomber. Ça fait nous mal. Là, sans ça, nous clair, Jodia, pour nous dire que, mais comment le système nous fait craser? Nous parlons de 1973, de 200 qui sont créés là. En 1985, l'État haïtien clairement dit faut renforcer la formation professionnelle. Il a fait une loi sortie, il vient rendre INFP, de INFP vient devenu une direction générale déconcentrée du ministère de l'Éducation nationale. Cela veut dire lui, depuis autant de directions générales, c'est le président de la République mais, et, qui en accord avec sénateurs, députés, partis politiques qui pouvoyait yon moun nan tête INFP comme directeur général. Mais messieurs, c'est à partir de là, système nan crasé, système nan vin politisé. Chaque système nan d'ailleurs, te gagne taxe d'apprentissage, taxe sur masse salariale. Chaque mois que vous prenez pour système nan, l'État ramasse pour lui. À partir de 1985, à nos jours, politiciens yon éliminé, yon mangé cob. Taxe d'apprentissage, ça, l'école yon vin pas gagner, ça crée les frais d'investissement, frais de fonctionnement, l'école yon vin tomber à nu. Cela veut dire l'école yon vin politiser. Parce que chaque politicien, chaque parti politique qui voyait un politicien en tête, INFP, yon crasé organigramme qui te gagne. Chaque vin a organigramme pa yon. Chaque vin a système politique pa yon. Chaque vin ak règlement pa yo qui vin permettre journée jodi a système nan vin déboîter, système nan vin désaxer. M'rel fè yon gros déclaration là, moi même en tant que président du SCSNFP. SCSNFP, c'est le syndicat des employés du système national de formation professionnelle que m président. Ça m'a dit le nom tout directeur centre dans le pays, que privé, que l'État. Là, nous tout professeur, là, nous cadre système INFP. Nous cémenté 77 fois, 7 fois, que, après évaluation que nous finissons fait, nous avons ces partis politiques qui voyaient politiciens dans la tête INFP qui détruisent le jour et aujourd'hui. C'est ça que fait nous dit que c'est la et médiocrité qui a primé sur la compétence, qui vient permettre de nous déclarer, même si INFP réduit ensemble, nous ne pouvons pas accepter
parti politique voyez politicien en tête INFP encore. Parce que c'est eux-mêmes qui détruisent le système ça. Effectivement, un système technique, tu as un droit de gagner 80% de techniciens intégrés là-dedans. Des profs, des directeurs, des techniciens qui ont fonctionné. Et le système de politiciens mettait environ 80% de bureaucrates là-dedans. Et 20% c'est formateurs. Et un paquet de formateurs qui n'ont pas nommé. Parce que quand il y a trois personnes qui sont dans le système, qui n'ont pas de rapport aucun du tout avec le système que les politiciens déposent là-dedans. Cela veut dire que les formateurs ont affaire de contractuels que vous mettez. Des formateurs qui ont 8 ans avec une lettre stagiaire. L'homme, ils n'ont pas jamais nommé. Cela veut dire que les bureaucrates prennent place. Et nous parler de l'Institut national de formation professionnelle. Que nous-mêmes, le syndicat, depuis quelques années, nous avons même sigle, nous disons que c'est l'Institut nul des frères politiciens, INFP. Parce que les politiciens, ils débattent le système. Ils ont la jeunes, ils ont eux-mêmes qui permettent journée aujourd'hui à payer à gangréner. Troisièmement, nous avons ajouté, sans technique l'État, ils ont créé depuis le centre pilote de formation professionnelle et JB Damier et nous avons Élie Dubois, nous avons centre plus, pour me citer que ça seulement. L'État a créé centre pour payer 7 $. Contribution pour prendre la médecine, 7 $. Centre pilote, 10 $. Mais pour le moment présent, l'école est privatisée. Soit le centre pilote là, ou abjouen, yon commencé de 1500, 3000 jusqu'à 6000-7000 $ en de centre l'État. Cela veut dire que Jean Bagay la que a fait là, centre l'État est censé venir privatisé. Si moun yon pas qu'à entrer dans le centre encore, tellement centre cher, parce que le directeur yon dit que l'État pas bail frais de fonctionnement assez, il pas bail. Et frais pour budget d'investissement assez qui viennent permettre que l'école soit censée venir privatiser. Je ne dis pas qu'il y a affaire de dire. Moi-même, en tant qu'ancien étudiant, étudiant JB Damier, j'ai payé 7 $ pendant 4 ans. Et j'ai été en bas de bloc. Je ne dis pas qu'il y a pas de timonel en JB Damier, deuxième vacation pour payer 3 000 $. Et première vacation, 1 500 $. Et sans tu créer la classe, la partie défavorisée, c'est l'embellère, la cité soleil. Parents Timounio a vendu l'eau, y a vendu. Et puis sache pour y avoir Timounio formation. Et c'est pour ça l'État te créé sans pour y contribution pour y prendre la Timounio pour pas déranger parents, pour pas déranger Timounio. Joune Jodia, système. D'ailleurs, monsieur, point ça l'innécessaire. Budget la budget. Budget pour la formation professionnelle. Budget pour le système éducatif là. Combien lié éducation nationale. Le budget PIA, éducation nationale gagne 12%. Éducation nationale gagne 12%. Le 12%, c'est là-dedans pas INFPA absorbé, Institut national de formation professionnelle. Et là, nous venons vérifier, 12% pas tape même assez pour la formation professionnelle. Cela veut dire budget la formation professionnelle gagne. Il n'est pas même suffit pour un centre de référence. Budget de la formation professionnelle, qui est en toi, oui, il n'est pas même suffit pour gérer un centre de référence. Cela veut dire l'État, en gros, pas bail la formation professionnelle priorité, parce que jodia, n'a parlé de la modernité technologique, n'a parlé de la globalisation, n'a parlé de la mondialisation. Pays, le monde entier a marché sur la technologie. Si nous sommes pays aujourd'hui, nous avons mangé du Itiako, du Rimé.